Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Oh, il fait froid dehors, c'est l'hiver dehors et les cours vont bientôt commencer. Alors Odile, comment on se sent après avoir fait des crapulades avec son premier chéri? La dernière fois, ça s'était plutôt bien passé. Est-ce que du coup tu as fait tes devoirs? Ah, t'as pu tes devoirs. D'accord. Où as-tu paumé tes devoirs? On demande les devoirs. Ah, il y en a là. Et va faire les tes devoirs alors, saleté. Ah merde. Bon, ben non, elle aura pas le temps. Ok, et ben va en cours, mais toi aussi, va en cours, il y va. Et on avait Nantilde qui était enceinte. Et Nantilde, je vais la garder un petit peu, juste le temps qu'elle accouche et qu'on lui refasse un deuxième enfant. Voilà, Meryl, elle en aura eu un. Nantilde en aura deux. Et puis aussi, prochaine étape, c'est de trouver une chérie à Norman, évidemment. Il n'est pas laissé pour compte. Il faudra qu'il ait une copine ou un copain. On verra bien ce qu'il adviendra de lui. Mon Carla, c'est pas en jouant au rhinocéros, là, ou je sais pas quoi, au triceratops, que tu vas avoir un mec, hein. Ah, c'est vrai que lui, il était déjà casé. Et puis alors, ils sont tous vieux, puis ils se sont tous mariés les uns avec les autres. Ils sont tous mariés avec des mecs. Il y a un petit problème quand même, non? Ah, Wayne, il est pas marié. Simon, il est marié. Bon, Ludwig, on savait déjà, mais voilà, enfin, ils se sont tous mariés les uns avec les autres. C'est triste. Bon, ça, c'est les neveux. Alors, regardez-moi, c'est tous des vieux. Tout ce qu'elle a dans son inventaire, c'est des vieux ou des morts. Ou ses propres enfants, ou ses cousins et cousines. Et nièces. Donc c'est très très triste quand même. Qu'est-ce qui se passe? Influence contrôle des émotions, l'empathie diminue. Le deal a reçu un lapin d'excellence dans son inventaire. D'accord, très bien, merci. Voilà, pour Nantilde. Voici sa prochaine cible. Qui est donc la sœur de... Mais pourquoi elle monte automatiquement? Ah oui, il va devenir adulte aussi. Toi, tais-toi, on s'en fout. C'est la sœur de la copine de Meryl. Voilà. Hein. Mais après, elle est plutôt pas mal aussi. J'hésitais à l'utiliser pour... Ouais, elle est vraiment très mignonne. À l'utiliser pour Odile. Donc, je sais pas trop. J'hésite encore, j'avoue. J'ai fait venir Christophe Grand Pif, sauf que le mec, il vient pas frapper chez nous. Il va se balader tranquillou bilou sur l'île, quoi. Mais bon, ça aurait peut-être que... Voilà, tu viens, tu viens pas, mais il faut que t'assumes, gars. Oh, punaise, il y en a un qui est carrément en slibard. Dan Reagan. Eh, mais attends! Attends! Laisse-le tomber, lui. De toute façon, il est pris. Lui, il est adulte, il est pas mal, il est bien bâti. On sait pas, mais vas-y. Ouah, ça jette des pétales! Et ça marche? Il est triste, le pochou. Oh, on va pouvoir le consoler, lui faire un gros câlin. Tu vas lui complémenter la tenue, je te dis. Vous avez un très très beau slip qui vous va très très bien. Vraiment, c'est à tout à votre avantage, tout ça. Ah, il est chaud! Il est chaud! Et si tu tiens par la main, non mais il a tellement chaud que c'est pour ça qu'il est en slip dehors quoi, quand il y a de la neige partout. Tu vas demander s'il est célibataire. Oh putain, il est pris. C'est pas vrai. Ouais mais... Voilà, hein? J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite et que ça fonctionne. Voilà. Mais non! Mais non! Comment ça? Eh oh, vous m'avez squeezé le premier baiser là, ça va plus, hein! Ah, ils m'ont fait. Ah! Ah, je suis choquée! Allez! Tu le réembrasses parce que ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Le bug! Heureusement que ça marche, hein, parce que faudrait, si je me prenais. Si elle s'était pris un vent, j'aurais brûlé mon PC. Regardez! Venez discuter ici! Il y a juste un petit buisson bien sympathique là. Bon, il est enneigé, il est un peu frisqué. Mais c'est pas grave.
On va aller faire un petit crac-crac, tranquillou, direct. Ah bah attendez, il est très enjôleur, l'échange est langoureux. Il a accepté notre premier baiser. Il n'y a aucune raison, hein, que ça ne fonctionne pas, mais ils sont tous mariés, les mecs, tous! C'est impossible d'en trouver un encore célibataire dans ce jeu. Sauf s'ils sont ados. Oula! Ouh là là! Et bah voilà. Il a vu à la première personne. Ah, ça fonctionne! Bon, on voit juste un buisson qui s'agite, hein. On voit pas grand-chose d'autre, hein. Bon, en tout cas, tant que Carla s'amuse, c'est parfait. Bon, elle est visiblement folle alliée. Mais on dirait que c'est pas pour ce qu'elle a dans la tête, mais juste pour la tête qu'elle a. Ah, d'accord. Ouais, voilà, nos enfants sont rentrés de l'école. Ah, maman, attends, attends, maman, attends, maman, attends. Maman, t'as fait tes affaires dans le... Voilà. T'as fait tes affaires dans le buisson, faire crac-crac dans le buisson, faire crac-crac. Tu peux lui embrasser les mains. Et puis vous, peut-être que vous avez discuté un peu au bout d'un moment, parce que là, vous avez carrément été tout de suite dans le buisson. Il y en a des sims, c'est vachement facile d'avoir. Il y a d'autres, c'est complètement, on n'y arrive jamais. Tu vas lui recomplimenter son petit célibat. Odile, tu vas manger, tu vas t'occuper. Norman, oui, tu vas aussi aller aux toilettes, tout ça. Fais voir. Ah bah il clignote. Donc on va lui faire un petit gâteau. Maman, on va se mettre à faire un gâteau parce que sinon on n'y arrivera pas. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de choses qui se passent et toi t'es en train de discuter. Viens s'il te plaît, ramène ta cible ici. Finalement, ce sera une cible pour Nantil de ce jeune homme. Et Odile, Odile, est-ce que tu peux discuter avec la folle dingue? Elle est où la folle dingue? Elle est là. Voilà, tu vas la complimenter, tu vas faire connaissance, tu vas frimer avec ton jeu préféré, tu vas te plaindre du froid et tu vas parler d'art. Ce sera déjà pas mal. Ceci est le visage d'un futur jeune adulte qui invite des futures conquêtes. Voilà, à son anniversaire. Oui, le gâteau. Où est-ce que tu vas mettre le gâtal, toi? Dans le salon. D'accord, oh, punaise, il y a tellement de trucs d'ici que j'arrive plus. Ah bah oui, il faut que ce soit au centre. Allez. Non. Centre d'une table d'un plan de travail. Franchement, tu fais du caca, ma belle Carla. Le caca de Carla. Voilà, alors. Et il va falloir la calmer tout de suite. Tu vas illuminer sa journée. Tu vas déjà la calmer. Parce que commence à saouler, hein. Essayer de se calmer, voilà. Elle fait partie de ses futures victimes. Oh, et puis la petite bise qui va bien. Voilà, lui, il a pas l'air d'aller très très fort. Non, mais c'est pas grave, Norman. Une fois que tu seras adulte, tu vas ton divertissement va bien monter en flèche, t'inquiète. Une deuxième victime que voici, que voilà, c'est Iman Vast. Il va parler un peu à toutes ces beautés là. Et il va. Et en fait, dans ma tête, je me dis qu'il fera des enfants à ces filles là. Ce sera rigolo. Il aura des enfants avec trois femmes. La troisième, je crois qu'elle est là. Elle est arrivée. Ça fait du monde encore une fois. Hein. Je l'ai vue. Elle est où? Je l'ai vue. Ah, elle est montée. Où elle est cette saleté? Elle est là. Voilà, ce sera elle là. Ah mais c'est pas la fille de notre du nouveau copain de Carla, ça, dis donc. Il y a des chances, ouais. Regan, il y en a pas 15 000. Voilà, voilà. Nous avons les trois futures victimes de Norman, qui sont toutes jeunes adultes, donc il pourra les engrosser très rapidement. Ouais, oui, forcément, il parle avec tout le monde, donc là, ça... Voilà, voilà, quoi. Dès qu'il souffle sa petite bougie, on attaquera sérieusement les opérations. Allez Norman, tu vas souffler tes bougies tout de suite. Et tu vas devenir un jeune adulte responsable. Et tout ça. Enfin, je dis responsable, j'en sais rien. S'il aura le trait responsable, on va voir ça tout de suite. Tata, responsabilité pour la vie. Qui a dit que maintenant on n'est peut-être pas plus bel âge. Il est donc maladroit, bienveillant. Et nous allons le mettre. Allez, romantique, ça va l'aider. Il a gagné
Oh, plein de cadeaux. T'as pas gagné d'autres traits? Ah bah non. Ah bah j'aurais cru. Bon bah tu peux appeler à table tout le monde et puis tu discutes après avec tes conquêtes futures, si elles ne sont pas toutes parties. Non, regarde-le, là, il fait son coq. Alors, il fait son coq avec les belles filles, là. Alors, est-ce qu'elle, elle peut rester aussi un peu, hein? On sait pas trop. En tout cas, il y en a une. Ah, les deux! Bon, on va essayer de serrer les deux ce soir. On va essayer. Ça risque d'être très rigolo. Et si tu regardais un film? Un film ou alors regardez la chaîne Romance. Oui, avec les filles, ça pourrait peut-être leur donner des envies. Hein. Bon, on peut pas encore faire de plan en 3 dans les Sims. Hein. Peut-être dans les Sims du futur, ce serait rigolo. Mais bon, si elles regardent et qu'elles sont chaudasses, tout est gagné. Alors, on va essayer la technique de je m'éloigne pour en appeler qu'une pour essayer de la draguer tranquillou bilou. Oh, tu pues! Ah bah, je suis pas sûre qu'elle cède, hein, mon beau là. Allez, on va attaquer. Ouh lolo! Ça marche pas. Ça ne marche pas avec elle. Ah, ça craint. Ça craint du boudin. Alors, ça y est, la rose fait de l'effet. Se rattraper. Tu te rattrapes après. Ça y est, elle commence à être bien là. Elle est enjôleuse, ça y est, ça devrait le faire. Un autre, ça s'en va. C'est pas grave, on s'en occupera pour la prochaine fois. Bon, on balaye celle-là ce soir. Allez. Oh non, on est parti quand même, c'est un fail. C'est un fail. Bon, allez, tu vas t'occuper de toi. Hein, et puis, on sera pas mal. On va arranger le gâtel. Hop. Bon, ça a été un beau petit fail. On n'a pas réussi à emballer une des deux filles. Zut. Wow. Oh, non, Tilde va bientôt accoucher. Je ne sais plus à quelle heure. Mais elle va le faire quand même. Look at him! J'ai relooké rapidement Norman. Je vous l'avais dit que quand il passera à l'âge jeune adulte, je lui verrai sa coupe un peu de One Direction et je lui ai rajouté un chouï de barbounette et j'ai changé les sourcils et le voilà en mode beau gosse adulte. Voilà, voilà quoi. Beau gosse Norman. Mission du jour pour Nantilde, c'est donc de emballer Yacine, que voilà. Pour faire un petit bébé après avec lui. Hein, voilà. Dès que son vagin sera dispo. En son utérus, plutôt, on va dire. Parce que le vagin, il est toujours disponible. Et puis pour Norman, ce sera d'emballer Iman. Norman et Iman. Ben voilà. Et puis dès qu'elle arrive, on attaque. Bon, il est très chaud. Je pense que ça va être facile de l'embobiner, le pauvre. Eh oui! Eh oui! Pour Nantilde, c'est emballé! Oui! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Avec son gros bide, ne le dérange pas, donc c'est cool! Bon, après, tu vas quand même pisser, ma belle, parce que sinon, ça va casser le truc, hein! Oui, ça y est, ça y est, ça y est! Elle commence à être réceptive! Allez, tu vas lui embrasser les mains! L'enlacer! Il faut que ça fonctionne, hein! Oh. Complimenter l'apparence. Ah, ça y est, très enjôleuse. Oh, premier baiser. Vas-y, Norman. Vas-y, Norman. Vas-y, Norman. Vas-y, Norman. Allez, allez, allez. Ça m'a skippé le premier baiser, je suis sûre. Ah, attention, attention. Oui, Norman a emballé sa première dame. Et on va aller lui offrir une rose. On va l'embrasser. Et on va bien sûr lui faire un petit bébé. Ah ben on peut pas. Elle s'en va peut-être. Ah elle est chiante, hein. Tu vas pas demander de partir. Ah si, faire caca dans le placard.
Amour. Faire un bébé dans le placard. Allez, go! C'est parti, les enfants. Oh, la coquine! Elle se faisait juste désirer, parce que là, franchement... Hein? On peut pas dire qu'elle a pas faim. Hein? Bon, et toi, Nantilde? Nantilde, il est très enjôleur. C'est un échange langoureux. Il y a un lit disponible, il me semble, à l'étage. Voilà, vous pouvez mettre à profusion. Voilà. Ah, c'est dispo, il y a de la place dans cette maison, quand même. Hein. On dirait pas au premier abord, mais il y a de la place. Vous pouvez faire des petites choses, tranquille. Allez, Nantilde. Fais pas ta coquine. Ah, regarde. Il te dit, mouah, bellissima, tu es belle, comme un matin de l'été. Allez, allez, allez. La maison du crac-crac, hein, aujourd'hui. Et toi, alors, ton mec? Ton mec qui est devenu vieux. Blague, ils sont tous vieux dans ce jeu. Oh, ils vieillissent tous plus vite que... Oh, mais non, mais c'est triste. Tiens, Odile est revenue. Odile, tu reviens, c'est un peu le moment où il fallait pas, quoi. Elle est où, ta meuf, Norman? Tu l'as enfermée dans le placard? Mais dis donc. Elle a disparu. Oh. Ou alors... Elle est là! J'avais pas vu qu'elle était... Essayer de faire un bébé. Oui, on va refaire un petit bébé, quand même. Hein, il faut y mettre du sien, mon petit. Alors, et toi, tu reçois un coup de téléphone, mais c'est pas possible, ça n'arrête pas. Oh, mais c'est son petit chéri. J'ai envie de dire oui et non, en fait, parce que voilà, il faut qu'elle elle est encore jeune, il faut qu'elle travaille, tout ça, et faire ses devoirs, tout ça. Une fois qu'elle sera adulte, oui. Tiens, voilà son crush. Toujours en slip. C'est n'importe quoi. Non mais voilà quoi, maintenant il est vieux. Ouais, il va faire craquer dans le placard aussi, tiens. Et toi alors? T'en es où? Ah bah non, elle est partie. Tu sais, tu vas rentrer à la maison et tu vas appeler ta seconde prétendante. Bon. Carla s'éclate. Dans le placard avec son vieux. Après, ça pourrait être rigolo de le tuer, hein, mais... Voilà, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse, et puis bon, on l'a eu en bon état, et le lendemain, il est déjà tout vieux, tout pourri. C'est pas grave. Voilà. Ah bah! Il a l'air quand même d'être un assez bon coup, hein. Voilà. Norman, ta deuxième prétendante est là. On va attaquer direct. Oh! Oh, et elle est... Et elle est partante. Par contre, son père qui danse dans le salon à moitié à poil, on n'en parle pas. Hein. Pendant qu'elle va se faire troncher par le fils, lui, il tronche la mère. C'est du grand nawak. Oh punaise! Malveillante, égocentrique et sans chaud. Mais quelle horreur, cette fille, dis donc. La petite fleur, ça passe. Tu vas... Ah oui, elle aime ça. Ah oui, c'est une coquine. Ah, elle est très enjôleuse. Oh là là, premier baiser. Ouh là là, Norman. Ouh là là, Norman. Ça passe. Oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est parfait. Tu es parfait, mon beau. Essaie de faire un bébé. Écoute, moi, le jeu m'a compris. Il sait ce que je demande. Il sait ce que je veux. Je n'ai plus rien à faire, en fait. Moi, je suis juste l'instrument du jeu des Sims. Le jeu sait, il m'a compris, il m'a dit « Oh, toi, t'aimes bien faire des bébés en ce moment ?» Ouais, moi, j'aime bien faire des bébés en ce moment. Sinon, ça te dit d'aller essayer le bain remous. Si tu veux, j'y vais sans capote. Et elle dit « Oui !» Et attention, allez, Norman. Wouhou ! Eh ben, il est content. Je suis pas sûre qu'on aura le temps d'inviter sa troisième conquête, mais... On va toujours essayer de l'appeler juste après qu'il ait fini son tirer son lit. C'était celle-là, c'était Sarah. C'est celle qu'on connaît le moins, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que j'avais commencé avec Iman, parce que la barre d'amitié était la plus haute.
J'adore, juste après avoir tiré son coup avec elle, il appelle une meuf devant quoi. Et en plus elle arrive! Ah, c'est bien! Vas-y. Essaie de faire un bébé avec Julie. Vas-y, recommence le temps que l'hôtel arrive et puis ce sera pas mal. Bande de coquins, va. Je viens d'installer la photo de Carla et du père d'Odile. Oui, c'était bien lui, hein. Oui. Voilà, pour The Boulevard, Hollywood Boulevard, des photos de nos héritiers re, puisque pour l'instant, nous n'avons que des filles en héritière. Lorelai et Cybelle. Cybelle et son mari, Heidi et son mari, et Carla et son copain. Voilà. Peut-être qu'elle se mariera, Odile. On sait pas, on verra bien. Norman, ta troisième cible. Et ici, tu vas discuter avec elle. Voilà. Surtout faire ce plan de la neige. Tu dis des banalités. Non, pas les étoiles parce qu'il s'est fait froid, mais tu discutes. Voilà, ce sera pas mal. Oh, est-ce qu'elle aime? Oui! C'est pas vrai! Mon Dieu, alors elle est solitaire, donc elle doit être stressée quand même d'avoir du monde autant autour d'elle, mais elle n'est pas... Ah non, elle n'est absolument pas contre cette une relation éventuelle avec toi, Norman. Oh là là, eh ben, elle n'est pas que des super traits, hein. Mais bon, tu vas la draguer, c'est pas grave. Le travail a commencé, zut! Il y en a une qui accouche. Tu vas là. Alors, tout à l'heure, j'avais le premier baiser possible. Qu'est-ce que vous faites par terre? Vous êtes bizarre! Allez, il faut que. Pendant que ta sœur, elle est en train d'accoucher d'un bébé, toi, tu en refasses un. Ça bug, hein. Ça bug beaucoup, hein. Oui, ça y est. Oui! C'est bon, ça! Tu prends une pose sexy. Tu la dragues. Et tu vas essayer de faire un bébé, évidemment. Comme j'ai dit, le jeu me comprend, me suit et n'a pas besoin de moi, ce jeu. Mais on veut juste voir. Oui, c'est parti pour faire un bébé. Oh là là, Norman, il va être explosé de fatigue, mais. Si, bébé. Attends, tu rigoles ou quoi? Non! Non, pas dans le buisson, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ça marche pas dans le buisson. Non, madame! Non, madame, elle est où? Madame! 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 Voilà. C'est d'une façon très sexy, avec une envie de pisser de ouf, que Norman demande à faire un bébé avec cette jeune demoiselle. Ouais, on est très enthousiastes. Si tu veux, on peut aller dans le bain à remous, hein. Va faire crac-crac, s'il te plaît, Norman. Alors, il y en a, elle t'attend déjà. Elle est déjà partie dans la chambre. Je sais pas pourquoi je l'ai. Allez, pour Norman, c'est un coup en plus. Toi, tu peux venir ici et accoucher, s'il te plaît. Et puis, tant pis, on appellera Yacine dans le prochain épisode pour refaire un bébé avec toi. En tout cas, Norman, hein, je pense qu'il aura eu son lot de bonnes petites choses là. Là, il aura planté sa graine, il aura fait un champ, quoi, limite. Hein. Allez, allez, ma belle, pousse, vas-y, sors-le-nous. On va y aller avec la pince s'il faut, mais c'est une fille, alors n'est-ce pas? Comme ce n'est pas notre héritière, Nantilde. N'en plaise à certains qui aient préféré, pour tous ceux qui ont voté pour elle. Je ne vais pas continuer les prénoms germaniques, donc on va. Voilà, Axel. Et il y en a qu'une. Axel Ugly, donc la fille de Nantilde, est née. Et ça, c'est cool. Voilà. Nous avons un premier bébé. Ah ben non, je pense pas. Mais si, tu vas t'en occuper. Qui c'est qui veut s'en occuper?
Personne veut s'en occuper. T'es Bah. bête, hein, Nantilde. Allez, ah, il commence déjà, ah, ça commence déjà à me prendre la tête, les cris, là, j'en peux plus. Ah, je suis pas faite pour faire un jeu avec 15 000 bébés, moi, c'est pas possible. Alors, ça y est? T'as emballé, c'est pesé, là, ta copine? Vas-y, rappelle-la un coup, tu vas remettre ça, et puis on sera bien. Et hop, c'est reparti. Sacrée journée pour Norman aujourd'hui, hein. Aïe, 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 aïe. On l'arrête plus. Et voilà. Oh, voilà ce que ça fait d'avoir une journée pareille, de mettre enceinte trois filles. Ben, instant, il est devenu et dégueulasse et tombé dans les pommes. Ça, c'est franchement, c'est du high level. Bravo, Norman. Oh, grand-mère Carla, elle s'occupe de de sa petite fille. C'est tout mignon. Et ben voilà, c'est parfait tout ça. Carla, ouais, bah écoute, tu vas pouvoir aller dormir, elle est partie, la fille. Tu vas pouvoir aller récupérer ton lit. Toi aussi, tu vas aller au lit. Non, alors pas le café, tu me casses les pieds. Tu vas aller dormir, elle aussi. Non, pas de café. Dormir, et puis ce sera pas mal. Allez, c'est sur ces images de Norman endormi dans son bain, après une très très dure journée, que je vais vous laisser pour cet épisode, en espérant en tout cas qu'il vous aura plu, et je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode prochain, vendredi, pour la suite du Ugly 2 Beauty Legacy Challenge, ou pour autre chose. Salut!